Salut à tous les amis, on se retrouve pour l'épisode numéro 5 d'Assassin's Creed Unity. Et donc on s'était laissé tout en bas, et puis je me suis amusé à monter, et puis je vais synchroniser, et puis voilà. C'est vraiment très 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 beau. Pardon. On aurait même encore pu monter encore plus haut. Je m'en bats. Pardon. Bouge. Donc on va continuer tout de suite. Le matériel. Voilà l'histoire. Je suis tellement à fond dans le jeu malgré tout que des fois j'en perds mes mots. Je sais pas du tout à combien de kilomètres on se situe du point d'interrogation, mais au vu de la... Ah non, c'est bon, on n'est pas très loin en fait. Et voilà, ça c'est l'ancien vignoble, vous voyez, comme c'était petit avant. On va nager. Je pense qu'il n'est pas dans... Oui, voilà. Dans le 1, c'était très compliqué parce que quand tu voulais nager, ben, tu crevais. C'est un peu comme les tout premiers GTA. Ils savaient pas comment faire pour faire le taf. Alors, ouais. C'est une mission pour moi. Ben, va se faire enculer. Et donc, voilà, on se retrouve au entre guillemets manoir des assassins. El manoir des assassinos. Qu'est-ce qui est... Oh merde. Aujourd'hui, les paroissiens ont trouvé un corps à Notre-Dame. Les plaisantins l'appellent déjà le pénitent. J'en conclus que justice a été rendue. Pas encore. Siver avait un complice la nuit où Monsieur de la Serre a été assassiné. C'est lui qui a porté le coup fatal. Cela soulève des questions troublantes. Qu'as-tu appris? Il a agi avec un homme appelé le roi des thunes. Le roi des mendiants? En es-tu sûr? Vous le connaissez? De nom. Les mendiants lui versent tribut. Mais cet homme est un fantôme. Nous avons envoyé 3 assassins à ses trousses. Les 2 premiers n'ont rien trouvé. Le 3e n'est jamais revenu. Je peux le trouver. Siver a parlé à l'un de ses lieutenants. Je dois à la mémoire de Monsieur de la Serre de découvrir la vérité. Peut-être en es-tu capable. Tu as fait tes preuves en tant qu'assassin aujourd'hui. Et un assassin doit être muni des bons outils. Donc si je comprends bien, la lame secrète et les bombes fumigènes, c'était juste un avant-goût, c'est ça? La lame fantôme. Une modeste amélioration de la lame traditionnelle des assassins. Là où tu dois aller, tu devras rester à distance de tes ennemis. Très bien. Assassin, ce conseil t'ordonne de te rendre à la cour des miracles. Trouve le Templier qu'on nomme le roi des thunes. Découvre ses secrets et apporte-lui la paix. Donc voilà, alors appuyez sur 1 pour découvrir la fantôme. Lorsque vous en êtes équipé, appuyez sur tir rapide, maintenez 1, tirez les lames, furie, oui d'accord, en fait c'est un peu la sarbacane, et puis voilà les trucs dans le genre. Rang d'assassin, élève d'élite, d'accord, donc il y a un classement et tout, pour faire style, voilà, on vous met en concurrence, comme ça vous allez continuer de jouer à mon jeu. À notre jeu, pardon. Donc voilà, on va continuer. Goodbye to the people which love me. Goodbye to everybody. Chargé d'amis, toi. Des têtes vont tomber, mais c'est cool. Donc ouais. Qu'est-ce que le 5 là? Donc j'étais déjà allé voir, mais. J'y étais déjà allé.
Rejoindre Versailles. Ah, mais non, mais je m'en fous, moi. D'accord, donc ici, en fait, on doit être à la périphérie de Paris. Pas du tout. Donc, on va aller là-haut. Le royaume des... J'ai pas eu le temps de voir. Tuer le messager sans être vu. Serrez-moi la main. Mais c'est pas lui que je veux tuer. Pourquoi je peux jamais tuer sur le que Dieu veut? Merde alors. What the fuck a bit? Bitch, pardon. Salut. Tu vois quoi? Patriote, d'accord, en fait c'est jaune. Tu vois qu'à tous les coups j'ai loupé des journaux du coup. Oh non 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 non. Ah non d'accord. Ça doit être la scène ça. Du coup on va aller se baigner dedans. J'aime bien l'idée, je dois avouer. J'aimerais bien qu'ils sautent. Ils sont chiants d'avoir changé tous les... Voilà, avant je me déplaçais bien dans les anciens et tout. J'étais... On m'appelait El Magnifico. Maintenant on m'appelle El Galerio. Elle est bien verte. Pareil qu'en vrai, c'est pareil. Ah non, elle est même pas verte, elle est... jaune, orangé... verte, cacadou, je sais pas trop. Il y avait même des tags à ce temps-là, la vache. Liberté! Attends, vous dites, il y a une liberté? Ouais, liberté. Le peuple a faim! Et ben moi, je t'aimais! Pardon. On va continuer. 503 mètres, c'est correct. J'ai rien fait, wesh. No, 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 dude. C'est pas moi. Ouh. C'est quoi le problème là? C'est qu'il faut taper là, hein? T'es qui toi? À la lanterne. Protéger une mère endeuillée. Ok. Next time, maybe. Pardon, pardon, pardon. On voit plus d'animaux, c'est triste, hein, parce qu'avant il y avait plein d'animaux, des chevaux, tu pouvais te battre dans, sur le dos d'un cheval et tout. Il y avait des chiens. Oh là, c'est bien par contre. Il va rester dans ce coin là. Plus des criminels. Vous avez accompagné deux éléments puis ici. Et ensemble pour recevoir une récompense. Ouais. L'avion, l'avion, l'avion. What that? What the fuck is the name? Ok. Sinon, ce que j'aime bien, voilà. C'est vraiment de voir énormément de monde dans les rues, c'est génial. C'est un peu casse-couille quand tu dois courir, mais bon, on s'en fout. Désolé, j'étais en mode Tahiti là. Youp. Action. Hello. Attends, je t'en prends ta chemise, ta fenêtre. Voilà. Gagnons. Boulangerie. Tout de suite la boulangerie. Voilà tout ce qu'on voit en France. Bravo. Bravo les stéréotypes. Ça m'énerve ça. Non, j'ai quand même... Voilà, nous sommes arrivés. Bonne doule. Bon, ça c'est stylé par contre, le fait de pouvoir te descendre. Le royaume des mendiants. Allons-y, gaiement.
Pour disposer de points 5, non dépensés pour les... d'accord. Menu personnalisation du personnage. Allô. Je monte, hein, je me permets. Je sais que je ne suis pas chez moi, mais bon. Un peu comme si. Guten Tag. Là-haut. Là-bas. Oui, c'est bon, je l'ai trouvé. Eh, j'ai un putain de bidonville ici. Lieutenant du roi des thunes, la touche. Oh, je ne m'y risquerai pas. Regarde. Oh, splendide, non? Le bon peuple de Paris donne plus d'argent aux mendiants estropiés qu'à ceux encore intacts. Le roi des thunes trouve dans cette... opportunité, le moyen nécessaire à stimuler ses employés les moins prospères. Cet homme a déjà perdu son pied. Certes, tu peux charger dans le tas et causer un joli tumulte qui renverra tous ces rats dans leur trou. Ou tu peux te mêler à la meute et suivre les rats doucement jusqu'à leur souverain. Quoi que tu fasses, cet homme ne reverra pas son pied. C'est fait. Escortez-le à l'infirmerie pour cautériser la plaie, puis renvoyez-le dans la rue. Allez, toi, debout. Merci, j'apprécie le conseil. Pas encore. Qui êtes-vous, au juste? Et pourquoi m'aidez-vous? Cela fait quelque temps que je t'ai à l'œil, Arnaud. Je considère qu'il est de mon devoir d'aider ceux qui ont connu... l'emprise cruelle de la Bastille. Et j'ai un intérêt bien personnel à voir le roi des rats enfin pris au piège. Quant à mon nom, j'ai le grand privilège d'être Donatien Alphonse François, marquis de Sade. Viens me rendre visite quand tu te seras lassé de chasser la vermine. Quelle belle trace il laisse. Bonne chance. D'accord. Les nuits. Ça t'inquiète pas? Je sais où sont les cheminées. Quelles cheminées? Celles que sa grâce a installées quand il a pris. Meurtre à la lame fantôme même. D'accord. Tac, meurtre à l'âme fantôme, d'accord, je peux. Non,
Choisir la lanterne à laquelle on va te suspendre. Ça te va? J'ai des questions à te poser. Je te file encore, hein. Combien de temps dois-je le filer? Qu'est-ce qu'il a fait à Thierry? Je me souviens de ses hurlements. Il s'en finissait plus. Tout ça parce qu'il s'était trompé dans les comptes. C'est vrai? Je pensais qu'il avait volé dans les caisses. Non, il a oublié un dans le registre. Ouais. Mieux vaut ne pas traîner alors. En fait, lui, c'est le roi du bidonville, c'est ça? J'ai bien compris. Ah merde! J'ai attendu tout ça pour de la merde, quoi. Il est mort, c'est essentiel, non? Pitié, me faites parler Mario au tout début. What the fuck? Faites. Bouge. Celle que sa grâce a installée quand il a sous terre. Si tu t'endors dessus, tu n'auras rien à craindre du froid. On ne plaide pas, les gars. Sa grâce n'apprécie pas les lambins. Hop. Voilà, personne ne m'a vu. Est-ce que j'ai encore le défi? Meurtre à l'âme fantôme. Ah d'accord, je vais juste en faire. Hop, on va monter sur les toits et s'occuper des mecs. Et mon pote. Salut mec. J'ai atteint un nouveau rang, assassin apprenti. Ouais. Donc là il va parler, ouais, si ça, ça, là, si ça. Oh la coda chisa. Tout ça parce qu'il s'était trompé dans les comptes. C'est vrai? Je pensais qu'il avait volé dans les caisses. Non, il a oublié un dans le registre. Je vois. Mieux vaut ne pas traîner alors. Et tout la cola dit ça. Hop.
Donc il est sorti. Faites-le entrer, vite! Je sens que quelque chose ne va pas. Il est mort, monsieur. Alors jetez-le dans le caniveau et suivez-moi à l'intérieur. Alors leur pétard. Combien vont-ils me prendre, le tribu de sa grâce ne cesse d'enfler. Je préfère ça plutôt que le roi tranche dans le vif. Trouvez la touche. Oh putain. C'était quoi ça? T'es ta gueule, merde! J'ai failli me faire repérer de ta faute là. C'est quoi ça? Ah, c'est une cocarde, d'accord. Je peux rentrer par ici, ça aurait été trop beau. Il y en a qui est là. Comment je pourrais rentrer? Oh putain. Il se passe quelque chose. Hop, ça c'est fait. Consigne pour le malheureux d'Ulysse. Brûlé dans un incendie qui a tué sa famille et lui a fait perdre la tête. Un incendie? Tu sais à quel point je peine à les imiter sans faire brûler la moitié du quartier? Utilise un peu d'huile de vitriol. Les gens ne feront pas la différence. Tac. Tac. Hop. C'est quoi ça? Hop, 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 hop. Ça me voit ici. C'est où j'ai trouvé là? Et je te laisserai la vie. Les catacombes! Il est dans les catacombes sous la vieille église! La touche. Je m'attendais à ce que tu sois un peu plus coriace. Que penserait ton maître? Mon Dieu! Mon Dieu, des mots! Hop! C'est réglé. Ostaios. Parlaros. Et Wallos. Je vais aller au plus rapide, comme ça j'aurai directement l'endroit où je dois aller. Voilà. Ok, direct. Et hop, on va pas y aller par 4 chemins. Et on va aller directement là-bas, vu que c'est à 83 mètres. C'est qu'on est à 25 minutes de vidéo, et grossièrement c'est correct. Il y a de l'action. Donc j'ai remarqué que plusieurs personnes préféraient les... Enfin, plusieurs. Des personnes préféraient les cinématiques et d'autres préféraient le gameplay. Donc, ce qui est bien dans Assassin's Creed, c'est que, bon, peut-être au début, t'as plus de cinématiques que de gameplay, mais après, tu passes moite-moite. Alors, c'est assez bien, quand même.
il est correctement fait. Là j'ai l'impression que plus on avance moins il y a de bugs. Peut-être est-ce qu'une impression. On va bien voir. Hop. Le roi est mort ce soir. Les points saints. Du balai, vous autres. Alors, assassiner le roi des thunes, une entrée, 5 cachettes, 54 gardes. What the fuck is gentleman? Alors là, on a tac 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 3 points. Peut-être ici 4. Non, ça c'est pour se racheter des trucs. 3 points. Je vais juste regarder vite fait quels sont ces points. Repère, je ne sais pas ce que c'est. Cours des miracles, ok. On m'a demandé de faire des assassins à rien, moi je l'ai fait. Hop. Voilà. J'aurais aimé en faire plus. Cela est fort intéressant. Il n'y a pas d'autre. Ah si, la voiture. Hop, la gratuité. C'est qu'ils ont dit c'est avec 3 assassinats à rien, mais pas du tout. Voilà. Hop, ils sont fait tous les 3. On n'en parle plus. Saboter. Hop, c'est saboté, je ne sais pas ce que ça a fait, peut-être que les gens vont se dire « Ouais, c'est des enculés, ils nous chauffent plus !» Faites place ! Tu veux que je vienne te mettre en pièces, crétin ? Entrez dans votre taudis ! Tenez bon, personne ne planche ! Hop. Saboter les chemins, ça devrait les faire sortir de leur... D'accord. Ok, j'ai compris un peu plus le principe. Opportunité de diversion. Ces brutes vont les mettre en pièces. Ces pauvres diables. Hop. Ouais. Tu fais quoi, toi, mon pote? Oh, j'ai été désynchronisé. What? What is the fuck? What is the fuck? Et je dois recommencer les assassinats aériens. C'est ça que j'aime bien dans ce jeu. Y a-t-il l'autre dans le coin? Hey, qui a déjà
Salut. Approche-toi, vas-y. Visibilité réduite dans les dégouts. Est-ce que ça fonctionne ou dois-je? Prends ça dans ta gueule, ça. Voilà. Tac, je vais monter. Comme je fais de la merde. Okay, quoi. Voilà, c'est réglé comme une pendule. Donc là, il y avait des gens. Les regrouilles de la main-d'œuvre retaillée de sa grâce. Où était-il? Je ne sais pas. Là, il y a un signe. On attire l'œil face à des triples amputés et à des soldats estropiés. Si tu manques encore un tribut, tu te souviendras de tes glorieux combats à Grunberg. Nous allons faire feu. Ok, c'est très moche. Ces brutes vont les mettre en pièces. Hop. Et merde, j'en avais une autre. Ces pauvres diables n'ont plus de chance. Youhou. Et bon, c'est réglé. Ils vont faire... Ils vont m'aider. Donc là, il y en a deux. On ne sait pas quoi. Ces armes sont les bienvenues. Je sais là. J'ai réglé les problèmes. Une entrée, donc ça veut dire que j'ai pas trop le choix. Il y avait 54 gardes. Tu t'attendais à quoi? Par où puis-je rentrer? Par là. Ok. Voilà, personne m'a vu, je pense. Hop, on fait le ménage. Oh vache. Where to be? On va aller voir Franco. Oh putain.
Vite, visite. Hop, dehors. Je peux passer. Ah non, ça aurait été trop facile. Personne m'a vu, non mais oh. On me voit pas, moi. Merde, ils sont deux. Hop, vous avez pas été sympa avec moi, je suis pas sympa avec vous, c'est tout. C'est comme ça que ça se passe, ok? Tac, on monte. Je suppose que voilà, c'est ce qu'il fallait faire. Votre grâce! Votre grâce! Votre grâce! J'ai appris de source sûre qu'un assassin rôdait et qu'il comptait s'en prendre à vous. Voilà qu'il se fait plus coriace. De ver, il devient serpent. Diantre, je savais que ce n'était qu'une question de temps, mais cela est bien trop tôt. Oh, oui, votre grâce. Les assassins sont bien renseignés. Mais c'est nous qui avons l'avantage, n'est-ce pas? Rassemble la garde et donne la chasse à cet assassin. Rapporte-moi sa tête. Mais, votre grâce, la moitié de nos hommes est aux prises. Alors, que dois-je faire ici? Assassiner le roi machin. J'ai pas de truc, je pense qu'il va falloir que j'assassine de l'auteur, quoi. Ok, tu t'en bats les couilles. Total. Mais où est-il? Hop. Hop. Vite, massacre. Putain, les autres vont m'arriver sur la gueule, je le sens. Non. J'ai de la chance. Pourquoi ils ont mis ça alors qu'ils l'ont bloqué? Ouais, mais si je glisse en dessous, il va forcément me repérer, quoi. Ok, d'accord. En fait, ce que tu voulais, c'est qu'on te repère. T'es un peu sadique comme mec. Hein. Pour lui. J'ai rushé comme un mongol. On a lui qui est là. Hop. Meurtre à un fantôme. Ah putain, j'ai bu. C'est un piège, on le sait tous. Voilà. Le dernier apprenti des béliers m'a apporté le plus merveilleux de présent. J'espère que tu en fais. Diable. Je te vois.
Je suis dans la merde. Oui, je suis un joueur synchronisé. Mais qui n'aurait pas su? Le mec, il est assis comme ça, posé. Et toi, tu vas dessus. Mais il est complètement con. Surtout que t'es pas discret, quoi. L'autre, tu lui as foncé dessus comme un mongol. Meurtre à l'âme fantôme. Bah oui, mais j'ai plus de balles, moi. Mon pote, tu m'as tout chiqué. Je vais essayer de tuer des gens et puis de choper des balles. Mais... Tenez vos positions. Voilà, avec le mec il dit tenez vos positions, tu sais que. Tu sais qu'il te mitonne quoi. Tu sais qu'il y a une entourloupe quoi. Allez, fouille-le. Chope-moi une petite lame fantôme. Lame fantôme. Je m'en battais. Bonnet phrygien quoi. Remède au complet. Qui m'a vu? Est-ce que je peux essayer de monter par ici? Tac. Non, je ne peux pas. En plus, je suis totalement spoté. J'espère que tu en sais. Diable. Prends garde à toi, assassin. Ah, mon Dieu, attrapez ce cerf. Pas normal. Protégez pas là, retournez là. Ta mère. Ça c'est réglé. Je te vois. Donnez-moi des lames, lames fantômes. Non, non, pas si près. Je veux juste des lames fantômes. S'il vous plaît. Oh, j'aurais pu passer par ici peut-être. Non, pas du tout. Et mon pote. Bon, toi t'es toujours en haut. Et j'arrive. Tu es moins malin que tu ne le penses. Surprise. Mes sujets ont les yeux partout, monseigneur. Tout ce qu'ils voient, je le mets au service de l'ordre. Et que pourrait nous apprendre un roi des égouts? Les intrigues des rats? Tu peux disposer. Les intrigues des rats? Idiot prétentieux, si jamais je mets la main sur lui. Mon maître serait ravi d'arranger ça. Mon frère. Tout va bien, monsieur? Vous avez abusé du champagne? Super, il faut partir. C'est fait. De la serre est mort. Grand maître. Bien. En fait, on est en mode grosse ambiance. Depuis tout à l'heure, on s'amuse à faire des... comment ça s'appelle des... Un arbre généalogique en réalité, voilà. Je pense que je peux sortir par là quand même. Ça va peut-être me filer des lames... File-moi une lame. Même pas, hein. Purée. Hop. Ah, si. Oh là là, attends. C'est hardé. D'accord, j'ai niqué toute une goupille. Voilà, je suis nul à chier quoi. D'habitude, je suis trop réactif, mais là. Oui.
C'est honte. C'est honte, my brother. C'est honte, et en plus je suis en train de me perdre dans les... Bon, allez. Toc, toc, toc. Mondoul, Mondoul, je suis ami avec toi. Saute, saute. Hop, je fuis par là. Voilà. Éteignez les torches. Mais on voit que dalle. Hop. C'est quoi le BM là? Hop. Died. Tac. On n'en parle plus hein, du coup. Hop. Et bon. Tu arrives à temps pour l'avènement de mon règne. Votre règne? Tant qu'il existera une cour des miracles, il doit y avoir un roi des thunes. Puisque la place semblait vacante, je l'ai prise. Vous n'avez pas perdu de temps, son corps est encore chaud. Peut-être ai-je légèrement anticipé sa destitution. Disons, dès que tu es apparu à la cour des miracles. Vous vous êtes servi de moi. Ta cible est morte? Nous nous sommes servis l'un de l'autre. Vous avez hérité d'un étrange royaume. Eh oui, n'est-ce pas? Alors, justice a-t-elle été rendue? Les morts sont vengés? Ton âme apaisée? Le bien a triomphé? J'en suis encore loin, Marquis. Chaque fois que je crois toucher la vérité du doigt, une nouvelle couche de mensonges me barre la route. Oh, une conspiration, une intrigue, un complot qui s'épaissit à vue d'œil. Il ne manque qu'un brin de bestialité et un prélat lubrique pour tenir le début d'un magnifique roman. Je préférerais une piste solide. Si jeune. Et déjà si sérieux. Eh bien, bonne chance à toi. J'imagine que tu as jeté un œil à ceci. Où avez-vous trouvé ça? L'un de mes fidèles sujets me l'a apporté. Un certain gage d'estime, s'il en est. Oh, un objet étrange. À ma connaissance, une seule personne sait travailler le métal de cette façon. C'est une lame comme celle-ci qui a tué Monsieur de la Serre. Mais j'imagine que cela, vous le saviez déjà. Pourquoi n'avoir rien dit? On serait l'homme s'il n'avait jamais dû se poser de questions. Si tout ce qu'il avait toujours voulu savoir lui avait été remis sur un plateau d'argent, aurait-il oublié qu'il pouvait s'interroger? Où se serait-il débarrassé de son ignorance pour surpasser ses piètres limites? Peut-être, oui. Cet artisan s'appelle François Thomas Germain. Tu trouveras son échoppe près des Halles. Merci. Bonne chance. Ouais, bien voilà les amis, on a terminé cette mission. Et donc on va s'arrêter ici, ça fait déjà un bon épisode. Je pense que quand j'aurai retiré les moments où
je suis mort, etc. Ça fera déjà un peu plus petit, j'espère. Donc je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Salut, bye.